on y va ou on n'y va pas? On y va. Non, si. Pour qu'un maximum de personnes puissent terminer la rando. Ça y est. Mathieu, t'as combien de bénévoles sur le circuit là? C'est compliqué, on a des amis motards de baisse qui viennent encadrer. Je dirais qu'on est une 25 bénévoles pour la journée quoi. Et on est limite quoi. On est parti de Cascopélois, nous. Oui. On a un club de moto et moi je suis président des vieilles mobilettes. On est une 15-17 mobilettes. DK51 Hard Rock, moteur AV10, année 2002, une des dernières fabriquées. Ils ont un peu de rosé et c'est bon. Ah ouais. Ouais. Moto caméra. Ils sont vendus, les gars, hein, pas le monde, Knio. On a fait bêta. Aujourd'hui, c'est devenu une passion, oui. Pour une première, je croyais autour de 90 mobilettes, c'est quand même assez extraordinaire. Mais bon, le cadre, la sympathie des gens ici, c'est une ambiance quoi, c'est extraordinaire. Contre des jeunes, des personnes plus âgées, un mélange des riches, des pauvres, c'est le mélange des gens. On se régale, on tombe en panne, on s'aide, on se pousse dans les côtes, on fait comme on peut, quoi. C'est de l'aide et de l'amitié. On n'avait pas eu leur coup de main, leur tout quoi. La partie organisation, communication, on leur doit beaucoup, on leur dit un grand merci. Et puis d'avoir fait le jeu de venir autant de mobilettes de la Dordogne, c'est vraiment... Mais tous ces pétards là droite. Ça pétarade alors. Voilà, ça pétarade. Non, mais bon, nous on apporte notre peu d'expérience. Ouais. Voilà, on fait un peu voiture balai. Hein. Je ne cache pas qu'on récupère un peu des sacoches, des bidons à chaque fois. On verra bien. D'accord. Si tout le monde fait le tour. Tu nous arrives d'où? Église Neuve d'Entraigues. Ça, c'est pas bon ça. C'est où le mot R? RF. Ah ouais. Ouvre en moto. En tant qu'habitant d'Anglard, c'est moi qui ouvre en moto, j'ai cet honneur là. Quelques petits rappels de sécurité et de bon sens. C'est pas une course, on respecte le code de la route. Si, quoi qu'il arrive sur le circuit, vous ne faites pas de demi-tour. Il y a deux véhicules derrière avec les plateaux pour aider à ramasser. Voilà. Si vous avez de l'essence, des jerrycans, on vous laissera vous rapprocher de Jackie avec le petit plateau. Vous mettez vos jerrycans dedans et il sera là, il vous leur donnera l'arrêt café à la stèle. Voilà, je passe le mot à Julien. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette première. J'ai peur que ça nous gagne un peu, mais ça va le faire. Donc pour ce qui est du bon déroulé de cette rando, c'est moi qui ouvre en moto. On est donc 4 motards pour vous encadrer, pour vous aider. Mais on est 4 motards avec des gilets orange. Ils sont orange nos gilets. Voilà. Pour ce qui est du tracé, donc vous avez la carte ici pour vous donner un ordre d'idée d'où c'est que vous passez. Ensuite, sur parcours, c'est des flèches vertes à la peinture au sol. Donc voilà. Si vous arrivez à une intersection qui n'a pas de flèche, c'est qu'il faut rester sur la route principale. En principe, ça ne doit pas arriver, mais vous restez sur la route principale. Vous avez deux véhicules qui ferment avec des plateaux pour ramasser les véhicules. Et un minibus pour ramasser les pilotes en cours d'été. Il n'y a pas de poussière, on n'aura pas besoin de nettoyer les filtres ce soir. Ouais, super. Ouais. Nickel. Même pas mouillé. Pas de vent, mais je crois qu'il va pleuvoir. On attend tout le monde. Avec le sourire toujours. Hein. Bah, du coup. Là, c'est ce qui nous caractérise hein, ici en Auvergne. Là si on n'est pas heureux, c'est en bonne aise. Le paysage, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il est beau. C'est le plus grand roi. Bah, moi je suis contente, on n'est pas dans le brouillard, donc tout va bien. Voilà, bon, on garde le sourire quand même. J'ai pas aimé si on est passé là. Alors là, c'est le moment photo, là. Turbalé, il faut encore arriver au pavin. Si vous avez le paillaré en face, n'est-ce pas? Le paillaré, on voit pas aujourd'hui. Derrière le brouillard. Ouais, mais les Auvergnats, c'est des fumiers parce qu'ils veulent pas nous le montrer. C'est super, hein. Non. Merci à toi de faire un reportage pour découvrir ce pays. Et si ça peut faire des vocations, ça sera encore plus extraordinaire.
Oui, c'est un temps breton, ça. Hein. Ouais. On quitte Besse, le soleil arrive. Alors, allez plus vite encore. La cave Vincent à Besse, donc un plaisir aujourd'hui de venir. Ah, c'est formidable, c'est la convivialité. On est bien, on passe un bon moment. On n'a même pas l'impression qu'on est mouillé. La route est très belle, les gens de Dordogne, pareil, me parlaient que c'était très très beau l'Auvergne. Et on en parlera dans le col de la Croix à Robert. Si je veux pouvoir le remettre. Ça marche pas, ça, ça va. Quoi, si, ça marche, ça, mais ça fait du bruit comme distance. Il y a des caisses outils, il y a tout, on peut tout changer là. C'est bon, vrai. Ben là, j'ai pas de poste à souder, on pourra rien faire. Regarde dans la remorque là-bas. Toi, je t'ai mis dans le pick-up. Normalement, dessus. Ouais, non, il y a un gars dans le mobilette. Est-ce que dans mon docteur, ça se passe bien? Non, mal. T'en as ramassé? C'est le jeu, hein? Moi, je suis à 3. Mon collègue, il doit être à 5. Mais non, ah oui, c'est pour rouler dans le gras là. Il faut les sangler comme il faut, parce qu'il n'y a pas les sangles avec des crochets, on s'embête. Oh, mais non, ça charge dur là. On ramasse. Oh putain, ça ramasse dur là, ouais. Alors, c'est quoi comme panne en général? Pneus, on a tout. Ah ouais? Embrayage. Ah ouais. Ah, d'accord, problème mécanique alors. Voilà, qui ont voulu réparer, qui ont fait perdre vachement de temps, et j'ai dit non, il faut. Vous êtes en panne, on charge et on s'en va. À un moment donné, faute de. Plus de décence. Eh bien, il me reste plus qu'une place, tu vois. Ah oui. Il y a des gens qui viennent de Vesoul, il y en a qui. Il y a des Bayonnais, il y a des gens de Toulouse. Il y a des gens d'Orléans, il y a des Bretons, il y a des gens de l'Essonne, de la région parisienne, des gens de partout. C'est pour une première, c'est exceptionnel. On va pouvoir réparer avant de partir. On n'est pas des gars qui calent comme ça. Il ne faut pas l'acheter, ça. Hein, non, ça non. Se répare. C'est collector. Allez, on est reparti pour un tour en direction Croix-Saint-Robert. Et on va profiter que ça pleuve pas trop pour repartir. Moi, ben, je fais demi-tour et je vais aider les autres à Anglard. Comme ça, vous pourrez manger la ligue aux saucisses et vous réchauffer. Ça a l'air démarré. Paul Bétain Ziriba, couplet plus, sans un. Le soleil en est.
reviendra. Merci. La montée de la jeunesse ou la Croix Saint-Robert là pour vous? À peu près pareil, mais j'ai pas de difficulté en fait. Voilà. Comme des bombes. Ouais. Je fais exprès. Merci pour ce beau joli tour du Sancy. Et voilà, c'est fait. Alors, cette première impression. Magnifique. Deuxième partie avec le soleil, c'est encore mieux. À refaire. On a eu une demi-heure, trois quarts d'heure, vraiment pas beau sur le circuit, mais dans l'ensemble, c'est. Ah.